Pour fêter ce festival de beau temps, voici un autre de festival, celui de la fraise. On l'a attendue, elle arrive enfin et on va en profiter. Encore faut-il savoir la travailler. Fred Maurice a donc suivi pour vous un cours à l'école du chef Thierry Marx. Au programme, soupe de fraises et tartelettes. Miam! Elle se prénomme Charlotte, Marjolaine ou même Lambada. Les fraises sont de retour. Elles sont même un peu en avance à cause d'un printemps particulièrement précoce. C'est tant mieux car les élèves boulangers de l'école cuisine mode d'emploi fondée par Thierry Marx n'avaient qu'une envie, les cuisiner. Ils vont nous préparer une soupe de fraises à la menthe et un sablé aux fraises. La simple évocation de ces desserts donne déjà l'eau à la bouche. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Il est un peu moins de 7h du matin et toute la brigade des élèves boulangers est dans les starting blocks. On met au four. Action. C'est leur première semaine de formation et aucun ne connaissait la pâtisserie avant d'arriver ici. Donc aujourd'hui, on va réaliser du sablé breton avec une petite crème, des petites fraises gariguettes sur le dessus. Et en parallèle, une soupe aux fraises. Pas de panique, tout va bien se passer. Hop, 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 on y va là. Le fraisier est une plante qui s'adapte bien au climat chaud et tempéré. Plus de 50% des fraises françaises sont cultivées en Aquitaine. Si l'hiver a été assez doux, il ne faudrait pas qu'il gèle. Le froid pourrait endommager les fleurs et donner des fraises déformées. Les fraises de Pierre sont-elles en pleine forme? La fraise, ça commence maintenant. Voilà. En plus, plus il y a de soleil, et ben plus ça démarre. Donc là, c'est vraiment démarré. Donc là, on va utiliser de la gariguette, donc qui est la petite fraise française, qui a, donc pour les tartes, qui a beaucoup plus de goût. Elles sont charnues, elles sont, vous voyez, elles sont lisses, elles ne collent pas. On voit bien les petits grains. Voilà, ça c'est de la belle fraise. Première recette, le sablé aux fraises. Pierre confie la responsabilité du sablé à Bouchra. Elle va mélanger du beurre et du sucre glace. Ne soyez pas effrayés par les proportions, l'objectif est de faire une grosse quantité de pâte qui pourra servir pour d'autres desserts. Chez vous, le mélange se fera à la main. Ensuite, on va rajouter le sel, la farine, la levure chimique. Et on va mettre dans le pétrin. Et on terminera par les jaunes d'œufs. Non, non, non. Je l'ai décroché, la feuille. Ah, il ne faut pas oublier d'enclencher le fouet. Pierre commence à mettre la pression. Voilà. Et tu fais ton mélange. Mais pas de quoi effrayer Bouchra. Allez, vas-y. Il en sortira une pâte bien jaune qu'il faudra emballer et réserver au frais. C'est au frigo, là. Au frigo directement. 2 heures de frigo minimum. Les desserts, c'est une affaire d'équipe. De l'autre côté de la cuisine, Ludovic a la charge de la crème pâtissière. La pâtisserie, je l'en fais à la maison et ça m'a toujours un peu attiré. C'est notre première semaine, mais c'est très agréable. La crème pâtissière servira de ciment pour caler les fraises. Pour cela, rien de plus simple, il faut mélanger énergiquement du sucre, des jaunes d'œufs, de la farine et y ajouter du lait frémissant. Et voilà, et après on met au frais. 2 heures se sont écoulées, la pâte à sablé est prête à être travaillée. La pâte devient assez dure étant donné qu'elle est très riche en beurre. Avec un emporte-pièce, les élèves vont réaliser des petits sablés circulaires qui vont cuire pendant environ 15 minutes à 215 degrés. Il s'agit maintenant de les garnir de crème, c'est toute une science. On vide un petit peu l'air, on tourne, on tourne, on tourne et on tourne. Et ensuite, avec le doigt, on la bloque. Et tu continues à tourner. On va voir si les élèves ont le même coup de main. Pour elles, c'est une première. Tu appuies et tu tournes en même temps. Voilà, c'est parfait. Et c'est une réussite. Les fraises gariguettes vont couronner le tout saupoudré de sucre glace. Les fraises peuvent aussi s'accommoder en soupe. Il faut être patient puisqu'il faut passer par l'étape découpe. Découpe des fraises d'abord, puis découpe de la menthe. Vous m'émincez bien fin les feuilles de menthe et on va rajouter avec les fraises. Et vu le nombre de pansements qu'elles ont sur les doigts, on comprend mieux pourquoi. Elles y vont avec prudence. Il suffit juste d'y ajouter un jus de citron et du sirop au sucre de canne avant de mixer. On peut laisser un petit peu de morceaux pour agrémenter, donner un petit peu de croquant au produit.
enfin cerise sur le gâteau, ou plutôt fraise sur la soupe, il ne reste plus qu'à préparer les petites brochettes de fraises et bonbons sans les faire tomber. Ah ben raté. Il ne manque plus que l'avis d'un chef, David Goualaz, l'autre professeur de l'école qui accepte de se lancer. Ça sent vraiment... On a la pulpe du fruit, mais vraiment en bouche, c'est incroyable. Déjà, le biscuit, il est vraiment bon. Il est vraiment croquant, il est vraiment parfumé. Juste que ce qu'il faut, en parfum et en sucre surtout. Pierre peut être fier de ses élèves. Pour ces deux recettes, il vous faut, pour les sablés, comptez 120 g de beurre, 100 g de sucre glace, 3 jaunes d'œufs, 150 g de farine. Pour la crème pâtissière, il vous faut 50 centilitres de lait, 50 g de farine, 100 g de sucre, 3 œufs, 500 g de fraises gariguettes pour la garniture. Pour la soupe de fraises, vous avez besoin d'un kilo de fraises, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 20 feuilles de menthe, 50 g de sucre de canne. Dur métier hein, que celui de chef. Faut goûter tous ces délices. Bon, en tout cas, si tout ça fait beaucoup d'informations, vous n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la chaîne ou sur les réseaux sociaux. On y reprend tout et depuis le début, s'il vous plaît.